Salut les petits loups! Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur Forza Horizon et sur le 4 j'en ai jamais fait. Donc je vais parler de l'update 17 qui se déroule de jeudi 19 décembre au 16 janvier. Je sais pas quand ça sera. J'ai pas regardé. Donc je vais cliquer. Donc comme vous pouvez voir, on est en été. Donc au début, je vais vous faire voir. On va commencer par parler de l'update 17. Après, on parlera de l'Eliminator. Donc au niveau de l'update 17, au début, on commence donc par l'été, comme je vous ai dit. Il y a à gagner la Renault 5 Turbo Forza Edition. Donc c'est sur le test, j'apprécie pas vraiment le test, je suis pas un grand fan de ça. Donc après il y a la Maserati, là c'est la ACGS Pininfarina Berlinetta, l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, donc on s'en fout, la Bugatti EB110. Donc voilà les quatre voitures pour l'été. Donc, il faut savoir que là, il faudra faire 50% sur les 4 saisons en fait. Ici, ça sera pour les 4 saisons et là, ça sera pour juste en fait la saison d'été. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça en fait, cela là. Vous faites des défis quotidiens, il y en a 7. Vous faites des épreuves saisonnières. Je suis en train de chercher à trouver les coups de pub, voilà tout ce qui est épreuve saisonnière. Et si vous accomplissez 50%, vous gagnez la Maserati Levante. Et après on passe sur l'automne. Donc pour l'automne, on a l'Hudson Hornet pour les 50% de l'automne, la Lancia Stratos HF Stradale. Hop, tac, tac, tac. La Bacmomo, voiture rare. Voilà. La Clio V6 de 2003. La Renault Sport Clio V6. Donc super bien cette caisse. On passe en hiver. Donc en hiver, il y aura la Mégane RS. Version voiture rare. La tenue à 80%. D'ailleurs, la combinaison, celle-là, elle se gagne. Je l'ai gagnée en quoi? Je sais pas. Je vais revenir après. Je sais que je l'ai gagnée, la combinaison course. Je crois que c'était course de rue ou les courses de drague. Je sais plus. Faut que je regarde. Il est où le truc? Le Teradyne Glurka. Tac, tac, tac. La Mercedes SL65 AMG Black Series, édition Forza. La Lotus Elise 111S. Et là, c'est une Clio de 2016. C'est la RS Concept. Une voiture rare. Donc, voilà. C'est une Clio 4, quoi. Ils mettent Concept, mais c'est le concept de la Clio 4. Et on passe au printemps. Donc, il y aura la RTR Mustang. Une Clio RS modèle 197 chevaux, c'est celle qu'on achète. Pour moi, c'est celle qu'il y a dans le shop. Voiture commune, donc ouais, c'est celle qu'il y a dans le shop. Donc c'est pas, enfin, on peut l'acheter, donc pas utile de l'avoir mis. La Ford SVT Cobra R de 93. La Mini X-Raid John Cooper Works Buggy et le Eagle Speedster. Voilà, on a fini pour les 4 saisons. Donc voilà. Et l'Alpine A110, en plus, celle-là, c'est dommage, c'est pas la nouvelle. Enfin, c'est pas la nouvelle. Si, c'est la nouvelle, mais c'est pas la version S. C'est la version normale, celle de 2017. Je vais vous faire Ravi voir. de vous revoir, Teddy. Alors attendez, je réfléchis un truc aussi. Non, c'est pas là.
Alors, comme on est toujours dans les Renault, je vais vous dire pour remporter la voiture. Hop, c'est course de rue. Voilà, donc la Clio Williams de 93, il faut atteindre le niveau 9 des courses de rue pour la remporter. On la gagne comme ça. Sur les courses sur terre, il faut atteindre le niveau 16 pour avoir la vieille Renault Alpine A110, donc l'ancienne, la vieille vieille, qui est celle des rallyes. Et après, bon, voilà, il y a d'autres véhicules aussi. Vous pouvez regarder sur sur le Horizon Live, c'est super intéressant. Pour l'éliminator, ouais, de la combinaison d'ailleurs, oui, c'est sur l'éliminator. Alors, je vais revenir au début. Donc, quand on atteint le niveau 2, on gagne la Toyota Supra. Donc, il faut savoir qu'on peut l'acheter aussi dans le magasin. Mais bon, c'est pas utile parce qu'il suffit juste de jouer un peu et voilà, on la gagne. Je sais plus le prix en magasin, je crois que c'est 250 000 ou 200 000. J'ai un trou de mémoire. Je m'en rappelle plus. Et donc, le niveau 2. Voilà. Après, quand on atteint le niveau 10, on a la Mégane R26R. R26R. Avec mon truc, voilà. Tac, tac, donc bon, comme je l'ai dit, la combinaison, c'est l'éliminator, mais bon, personnellement, entre l'éliminator et la course, ouais, bah, il y a l'écusson, éliminator, mais on s'en fout, c'est une combinaison. Le Ford F-150 Pre-Runner Dirty Design Truck, avec mon super accent de merde. Ah, la Porsche 911 GT3 RS Pre-Order Car. Voilà. Et pour le niveau 24, la Mercury Cougar Eliminator. Et donc voilà, pour les Eliminators. Donc moi, je me suis arrêté au niveau Eliminator. Enfin voilà, j'ai fait je sais plus combien de courses, je me suis arrêté au niveau 11. Et après, c'est tout. Je vais vous faire voir dans les voitures, il y a constructeur. Donc celle-là, c'est du shop. Donc celle-là, comme j'ai dit, c'est course de rue. Course de terre, donc le shop, donc celle-là c'est avec l'éliminator, et celle-là, celle que j'ai, après je sais pas s'il y en a d'autres. Bon, pour l'instant j'ai que ces voitures. C'est l'édition Forza Boost de Press qui marche super bien d'ailleurs. Je l'ai mis en S1 parce que elle tient bien le pavé et tout. C'est avec le wheel spin que je l'ai gagné. Voilà. Donc, le récap pour les Renault. Et d'ailleurs, attendez, je vais vous faire voir la Toyota. Je l'ai pas boosté la Toyota, franchement. 250 000, ouais, c'était à l'achat. Supra RZ. J'ai pas touché ni rien. Il y en a qui m'ont fait hérésie. Il y a aussi un. Mais tiens, attendez. Je crois qu'il y a un kit Fast and Furious, il me semble. Je l'ai vu. Allez, allez, allez. Voilà quoi, on peut, ouais, c'est ça en fait. C'est un mec qui a fait une déco parce que j'ai pas fait attention, j'avais pas regardé. C'est un mec qui a fait une déco et en fait, il faut simplement mettre le kit de Fast and Furious, quoi. Ok. J'avais pas, j'étais pas allé moi personnellement. Ouais, voilà la Supra. Voilà quoi, c'est une bonne voiture, hein. C'est une voiture sympa, hein. Mais bon, il y a tellement d'autres voitures sur ce jeu que ouais, j'ai pas. Et c'est tout. Je crois que c'était tout. Je voulais vous dire, puisque. Attendez, je vais revenir sur la page de bienvenue, sur le festival. Parce que moi, j'avais. Voilà, j'avais pas trop fait, vous voyez, en avril déjà, j'avais un petit peu joué, mais je faisais surtout les championnats normaux, les trucs comme ça. Je faisais pas les. Tout ce qui était le festival, le reste en fait, les trucs saisonniers en fait, tout ce qui était saisonnier, je le faisais pas vraiment avant. J'ai un peu branlé et tout. Et c'est surtout que là, à partir de il y a 3 semaines, j'ai commencé vraiment à y jouer. Je vais vous faire voir. Donc voilà, je suis arrivé à 3 semaines, je suis arrivé vers la fin de l'été. Donc j'avais un petit peu joué. Voilà, automne aussi, c'est pareil, j'avais un petit peu joué. Enfin voilà. L'hiver aussi, ben vite fait, voilà. C'est surtout le printemps. Je me suis dit, tiens, le printemps, j'ai fait, je vais m'y mettre et tout. La dernière, vraiment dernière semaine, j'ai fait, tiens, je vais tout faire pour essayer de gagner les voitures et puis bon, voilà, pour voir et tout. Donc au niveau
festival des quatre saisons, ben j'ai rien eu puisque bon j'ai surtout plafonné le printemps, les autres j'ai pas trop fait. Et, mais bon au printemps aussi j'ai atteint les 80%. Mais après les quatre saisons, ben ça montait 82%. Donc c'est dommage parce que la 250R, la Ferrari, elle m'aurait intéressé. Et pourquoi en fait je me suis remis il y a 3 semaines au jeu? Je me dépêche parce que j'aurai le temps là. Je vais vous faire voir une super promo. Oh, mais hop là. Et voilà. C'est le lot d'extension ultime Forza Horizon 4 qui est à moins 50%. Donc il était déjà fin de mois dernier et il y est toujours. Là, ils mettent 14 jours. Donc je sais pas, ça finit peut-être à fin du mois. Et 25 euros au lieu de 50 euros. Et dedans, il y a tous les DLC sauf. Le petit DLC pour avoir les cartes bonus sur la carte. Voilà, les panneaux bonus, tous les panneaux bonus qui apparaissent sur la carte, on peut, c'est payant, mais bon, voilà, là il n'est pas inclus, mais tout le reste est inclus. Et donc comme ils mettent, voilà, tout ce qui est inclus, c'est ça, c'est le pass voiture, le pack voiture James Bond, le VIP, le pack voiture Formula Drift, le Fortune Island et le Speed Champion. En plus, moi, je voulais acheter le Speed Champion parce que sur les sites de clés, il est à peu près vers les 10-12 euros. Et là, pour 25 euros, j'avais tout, j'avais la totale. Et pour les personnes qui, voilà, qui veulent pas acheter à 25 euros, on peut acheter séparément, mais comme vous voyez, les prix séparément à l'unité, ça vaut pas le coup. C'est hyper cher. Rien que là, ils vendent 18 euros le DLC Speed Champion ou Fortune Island, alors que pour 25 euros, on a la totale. Putain, j'arrive pas, je bafouille. je bafouille. C'est pour ça, c'est super intéressant. Et il y a 3 semaines, j'ai acheté le lot d'extensions. J'ai eu tout ça, j'ai eu toutes les bagnoles et tout. Et ben voilà quoi, je me suis éclaté. Je vraiment. Attendez, je vais vous faire voir. Pour faire voir que je sors. Je sais plus où c'est, je sais que c'est quelque part. Je me perds toujours un peu. Voiture téléchargeable, ouais c'est ça. Donc vous voyez, donc toutes les voitures, tout est coché. Et j'ai tout acheté. Et là, toutes les voitures en DLC, je les ai toutes. Bon, je vous passe vite fait comme ça doit être peut-être, ça va être un peu fou à penser vite fait, mais il y a marqué acheter partout. Et justement, c'est grâce au pack à 25 euros. Le pack ultime. Avec toutes les voitures, puis il y en a d'autres autre part, je sais plus où c'est. Voilà le pass voiture qui est là aussi. Voilà les voitures du pass, vous voyez, qui ont commencé le pass voiture. Attendez, voilà du 28 septembre 2018 au 14 février 2019. Ils ont balancé les voitures et toutes les voitures, je les ai. C'est vraiment toute la totale. Plus désolé. Putain, ça prend 3 plombes le truc. Donc il faut sortir, je me rappelais plus. Et donc voilà, donc l'Horizon Life, Eliminator, le Fortune Island, voilà, et le Speed Champion. Que j'ai presque fini, il me manque certains défis à faire et ils sont chiants. Il y en a certains, ils sont vraiment chiants à faire. Donc j'ai pas totalement tout fini. Et il faudra que je fasse aussi une vidéo parce que j'ai beaucoup de super tirages et de tirages classiques. Donc pour le délire, je ferai une vidéo sur ça. Bon, mais voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Normalement, j'ai rien oublié. La vidéo est plus longue que je le pensais. Normalement, j'aurais voulu faire moitié, mais bon. Je vous dis à la prochaine.